Et salut tout le monde, ici Logan7218. On se retrouve aujourd'hui sur l'épisode 5 d'Assassin's Creed 3, le let's play. Alors, non 5, désolé 5, qu'est-ce que je dis moi. À force avec tous les let's play, tous les épisodes, on est à l'épisode 6. Et je commence déjà bien pour un petit épisode. Je me sens d'humeur aujourd'hui pour faire un bel beau petit épisode d'Assassin. Alors on s'avait laissé la dernière fois avec Desmond. On devait monter en haut, que je vous avais expliqué, en parachute et tout. Là on reprend un peu, on reprend un peu du service. Ma voix, tout a bien été remis. Normalement, vous vous en rendrez pas trop compte que du petit truc que j'ai eu. Là, ma voix est nickel, hein, elle est revenue comme avant. Je suis super content. Alors, on va reprendre du service. Avant toute chose, je vais dire un truc vite fait. Parce que ça, peut-être que les gens ne le savent pas. Il y a des playlists hein, qui sont faites à droite de ma chaîne. Quand vous allez sur ma chaîne à droite, il y a une playlist. Et sur la playlist, en réalité, il y a tous les épisodes d'Assassin's Hitman, bon, des playlists faites exprès pour les let's play. Finalement, ceux qui ne trouvent pas les let's play, qui disent merde, il faut descendre trop loin, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur la playlist et vous voyez tout, hein, ça vous facilitera la tâche. Comme j'avais fait la playlist, là, les vidéos du mois, tous les premiers, j'efface tout ce qu'il y a dedans et on recommence. En tout cas, voilà, ça c'est dit, au moins les gens, ça vous facilitera un peu la tâche. Et en même temps, j'espère en tout cas que le background vous plaira. Comme je suis devenu partenaire, il me fallait un autre background. Je vais pas vous mentir que celui-là est vraiment super, je dois bien l'avouer. Franchement, j'ai bien été content avec les personnages et tout. Mais ce background, je ne vais pas le garder. On peut dire, c'est un background que je ne vais pas le garder. Je pense que ça va être un background que je vais laisser pour l'instant. Et dès que le graphiste que j'ai reprendra du service, je lui en demander un, mais vraiment 3D, 3D quoi. Là c'est du 3D mais bon, voilà, en tout cas pour l'instant je le trouve vraiment un background super, hein, il faut l'avouer. Il y a des liens cliquables, hein, je vous invite aussi à voir, vous allez pouvoir voir qu'il y a le lien pour aller sur la chaîne de Sika, comme on fait énormément de vidéos et que c'est un très bon ami. Il y a mon Facebook, ça veut dire le groupe Facebook où vous pourrez vous faire de la pub et parler en même temps avec tous les membres du groupe. Et à la fois, il y a aussi le designer bien sûr qui m'a fait le background, hein. Voilà. Là en réalité je monte au dessus, il faut aller vraiment tout en haut pour pouvoir sauter. Comme ça on gagne quelques mètres. Alors là, forcément comme vous avez pu le remarquer, je contrôle Desmond. En même temps, faut pas trop être bête, hein, il faut l'avouer. Alors il faut vraiment monter en haut, tout en haut de la grue. Au moins on est sûr d'être bien haut. N'empêche Desmond il a peur de rien, hein. Il a peur de rien cet enfant, hein. Peur de rien. Bon alors. Voilà, et bam. En même temps, je m'excuse aussi hein, pour les ralentissements, on peut dire. À un moment, je fais beaucoup de Let's Play d'Hitman, à un moment, je fais beaucoup de Assassin et pas d'Hitman. La dernière fois, j'ai fait près d'une semaine sans balancer un seul épisode. Parce qu'on peut dire, ma maladie et tout, m'a mis en pause. Parce que, pas parce que j'étais mal, hein, moi, quand je suis mal, je peux tout faire. Mais ma voix était tellement pourrie, je voulais pas présenter non plus une vieille voix, alors... Mais bon, là ça va, tout est terminé. Finalement, les Let's Play d'Hitman, vous les verrez bientôt. Je vais pas vous mentir que j'ai terminé les Let's Play d'Hitman en réalité. Mais vous ne voyez que deux épisodes sur ma chaîne. Parce qu'en réalité, tous les autres épisodes sont en rendu. Enfin, vont être en rendu. Et Assassin, je vais seulement faire. Alors là, enfin, on est tout en haut. Je vais sauter. Il faut que j'atterrisse sur le H d'hélicoptère en dessous. Alors on saute. Et on ouvre. Ouais. Non, mais ouvre. Ah, voilà. Parce que s'il ouvre pas, voilà quoi. On s'écrase comme une bouse, hein. Vous comprendrez, hein. Allez. En réalité, le but est d'aller chercher une source d'énergie qui est dans un immeuble, hein, l'immeuble où on s'est posé. Voilà, le parachute ne nous sert plus à rien. Maintenant, on va aller se le faire, cette source. Voilà. C'était pas si terrible. Alors, c'est toi, Desmond. Je dois dire que je suis un peu déçu. Mais j'imagine que vous êtes un peu de personnel ces temps-ci. T'es qui, toi? Demande à ton père. Allez, donne-moi ça. Je crois pas, non. Écoute, je ne suis pas censé te tuer. Mais je ne crois pas que le boss sera fâché si je t'explose ta gueule.
Alors je vais juste te laisser. Oh. Ça, ça fait mal. Voilà, vous avez vu. En réalité, les séquences avec Desmond sont assez courtes. Il y a des gens, ils vont peut-être pas être contents à cause de ça. Mais il y a des gens, ils vont être contents parce que Desmond n'a jamais été vraiment un personnage unique d'assassin. Quoi. Qui est ce malade? On peut dire, on se sert de lui pour l'animus et tout, sinon il est pas super. Mais c'était un assassin. Et pas n'importe lequel, à ce qu'il paraît. Mais il était piloté depuis le début par Abstergo, programmé pour infiltrer et détruire l'organisation. Comment savait-il qu'on était là? La mission est compromise. Ils ont dû voir que je fouinais dans leur réseau, et ils ont envoyé Cross découvrir ce qu'on cherchait. S'ils connaissaient notre position actuelle, ils seraient déjà là. Mais une chose est sûre, ça ne présage rien de bon pour la suite. J'ai installé des caméras en haut. Si quelqu'un se pointe, on le saura. Tu devrais aller chercher un connecteur pour cette source d'énergie, à moins que tu ne préfères retourner voir Connor. Tous ces artefacts ne nous serviront à rien sans la clé. Et pour ceux qui ne comprennent pas en réalité, même si un exemple maintenant je me plonge directement dans l'animus, je vais devoir quand même aller brancher toutes les sources d'énergie ici, dans le sanctuaire. Alors je pense qu'on va directement faire les séquences de Connor, et vers la fin du jeu, je brancherai toutes les sources d'énergie avant de pouvoir prendre la clé. Je pense faire ça, au moins ça vous évite de voir que du Desmond, sauf vers la fin, il faudra faire un effort et voir que du Desmond pour les sources. Et on va recontrôler notre ami Connor, parce qu'en plus il vient d'avoir la tenue des assassins. La entre la couronne et ses sujets se dégrade chaque jour. Et dans les coulisses des deux camps, les Templiers avancent leurs pions en attendant leur heure. L'histoire nous enseigne qu'ils cherchent à imposer l'ordre en contrôlant le pouvoir. Mais comment comptent-ils procéder ici? Qui les soutient? Quels plans ont-ils déjà mis en œuvre? Je dois le comprendre. Ce n'est qu'en connaissant l'ennemi que je pourrai l'arrêter. Connor, tu as un moment? Bien sûr. Regarde ça. C'est quoi? Un Shengbao. Une dague à cordes, si tu préfères. L'un des nombreux plans que Shao Jun avait remis à... Pardon. Il va falloir t'entraîner. Ganondorf. Oui, mon ami. Qu'est-ce qui t'amène? Le village est menacé? Pas encore. Comment ça? Qu'est-il arrivé? Des hommes nous ont demandé de partir. Ils disent que les terres seront bientôt vendues, que la Confédération a accepté. Nous avons tenté de la dissuader. Vous devez refuser. On ne peut s'opposer au Sachem, mais je partage ton avis. Nous devons garder nos terres. Qui est cet acheteur? Sais-tu qui est derrière tout ça? Son nom est William Johnson. Où est ce Johnson? À Boston, pour faire les préparatifs de la vente. Vente? C'est un vol! Prudence, Connor. Ces gens sont très puissants. Que voudrais-tu que je fasse? J'ai promis de protéger mon peuple. Si tu tiens à t'engager dans cette voie, va voir Sam Adams à Boston. Il pourra t'aider. Qu'est-ce que tu fais? Quand mon peuple part en guerre, il plante une hache dans un poteau avant de combattre. Quand le danger est écarté, il la retire. T'aurais pu faire ça sur un arbre! Alors, recontrôle Connor. Alors, vous avez pu voir qu'il a quand même plutôt vieilli depuis la dernière fois qu'on a vu dans la cinématique, enfin dans la séquence 5. Enfin, dans l'épisode 5, surtout, du Let's Play. Alors, ce que je vais faire, c'est normalement... Enfin, je vais voir un truc, parce que moi, comme j'ai le saison pass, et j'ai débloqué des trucs, mais qui sont tous accessibles au niveau de la séquence 6. Je pense que je peux déjà m'en équiper. Parce que vous avez pu le voir que cette tenue est plutôt pas mal, il faut l'avouer. Mais attendez, je vais peut-être voir un truc. Peut-être qu'elle est pas là, hein, je dis franchement, mais au moins, on va voir un truc vite fait. Ah non, ouais, y a rien du tout. Ouais, ok, y a aucune tenue. Pourtant, on a la séquence combien?
On est à la séquence 6. À moins qu'il faut terminer la 6. Ouais, je pense plus que c'est ça. Parce qu'en réalité, je débloque pas mal de tenues. Je débloque la tenue officielle que Achille portait, qui va nous montrer bientôt. La tenue du Capitaine Kidd et tout. Enfin, Capitaine Kidd, je pense que ça, il faut obligatoirement faire les babioles. Mais bon, en tout cas, il y a des trucs pas mal et pas mal de choses. Alors, ce qu'on va faire, on va directement aller vers la mission. Directement aller vers la frontière. Karandogan. Mais c'est vrai que là, Connor est beaucoup plus stylé, faut l'avouer. Allez, on va par là. Voilà. Parce qu'avec son ancienne tenue, là, elle était vraiment pourrie. Hein. En même temps, c'était pas un assassin. Maintenant, ce qui est bien, c'est que comme on est devenu un assassin, on va pouvoir enfin buter nos cibles. Et là, carrément, faire ce qu'on veut. Il n'y aura plus d'entraînement par Achille, il n'y aura plus des trucs qui sont... C'est comme les missions navales, on a été forcé à les faire, hein. Mais là on n'est plus forcé. Finalement, bon, maintenant si on veut quand même les faire, on peut les faire, hein, je vous le dis déjà, en allant au bateau, mais sinon on n'est pas obligé. Enfin au bateau, au navire plutôt, me faire avoir comme au début. Boston, j'ai fait un peu le con, j'aurais peut-être dû... directement aller au navire et directement me faire téléporter à Boston. Bon, tant pis. Parce qu'à cause de ça, il y aura 3 téléportations. C'est chiant. Voilà, regardez encore une fois. C'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, c'est franchement un très bon jeu. Je dois bien l'avouer. En plus, ce qui est bien, c'est que... quand on regarde bien, le solo de lui-même est comme un didacticiel. En réalité, il vous apprend des choses... Et vous après, quand vous allez faire les missions domaines, les quêtes secondaires, en réalité ça va vous aider et ça va, vous serez directement confronté à faire des missions, des quêtes secondaires. Sauf qu'avec ce que il vous a appris dans le solo, bah, vous serez déjà un petit peu plus fort quoi. Finalement vous aurez déjà un petit peu d'expérience pour pouvoir faire les quêtes. Alors voilà ma mission, elle est là. Ouais, je vais me téléporter là, moi. Ça me fait gagner quelques mètres quand même. En tout cas, Let's Play Hitman est terminé. En même temps, je tiens à préciser parce que je pense que cette vidéo ne va pas, va être postée dans pas très longtemps. Je vais faire une découverte de Zombie U bientôt parce que je vais bientôt recevoir la Wii U. Finalement, d'abord, vous allez avoir une vidéo déballage de la Wii U. Et après, une vidéo découverte de Zombie U où on va carrément voir la tablette en même temps que je joue. En réalité, je vais faire un petit système, on pourra voir les deux sur l'écran. Cette vidéo ne va pas durer très longtemps parce que ce sera une vidéo qui va passer sur 2 chaînes communautaires. Et souvent, comme les chaînes communautaires n'aiment pas trop des vidéos trop longues, elle sera pas très longue. Mais ne vous inquiétez pas, après, de toute façon, je pense refaire des vidéos, je pense même peut-être faire un let's play. C'est pour ça, si vous êtes intéressé par un let's play de Zombie U, faites-le moi savoir en message privé ou en commentaire sur cette vidéo. Au moins, je serai que ça serait intéressant pour vous, un let's play. Madame Johnson, c'était celui qui nous avait aidé dans le début. On lui parle quelques années plus tard. Que viens-tu faire à Boston ? Te voir. Si vous le permettez, mes amis. Merci, Connor. Cette conversation allait prendre mauvaise tournure. Dis-moi, que puis-je faire pour toi ? J'ai besoin de ton aide pour trouver William Johnson. Je vois. Je dois me rendre chez des gens qui devraient pouvoir te renseigner. Tu n'as qu'à m'y accompagner. Je suis heureux de voir que les gens se dressent enfin. Il faut suivre notre gentil monsieur. Mais tu possèdes une esclave. Suris, j'honore mes convictions, mon ami. Elle n'est plus esclave, je l'ai affranchie. Du moins aux yeux de la loi. Aux yeux des gens, ce n'est pas si simple. Il est tragique que malgré nos progrès, nous accrochions à ces pratiques barbares. Alors qu'emballez, Sam. Nous devons d'abord défendre nos droits. Une fois cette bataille gagnée, nous aurons le loisir d'aborder les autres points. À t'entendre, vous subissez les mêmes brimades que les esclaves. C'est faux. Dis ça à mon voisin, obligé de loger des troupes britanniques. Ou à mon aide. Ok, Armel a fermé sa gueule en plein milieu, là. C'était marrant. Hey,
Cette maison est à moi, quoi qu'en disent les percepteurs. Si ces larves du Parlement veulent me mettre dehors, qu'ils traversent leur mare et viennent le faire eux-mêmes. La loi nous donne raison. Ouvrez cette porte, ou ces hommes vont la foncer. Ah ! Assez, défoncez la porte. Ah ! À chaque coin de rue, tu verras mes propos confirmés, Connor. Continue seul, je te retrouverai à l'endroit convenu. Où est donc cet homme? Allez, tiens. Voilà, dès que j'arrive, c'est nettoyé, hein, moi. Qu'est-ce que vous croyez, là? Vous croyez que c'est la faute? Justice est faite. J'attends leur congénère de pied ferme. Ça va aller? Ah oui. J'en ai vu d'autres. Malgré leurs dents et leurs griffes, ces renards se battent comme des chiots. Merci, mon ami. Je t'offrirai bien une bière. Mais on m'attend ailleurs. Allez, maintenant on y va. Trouvez ça, madame, à la réunion. Pas de problème, Sam. J'aurais bien voulu faire un petit combat, mais je sais pas que ça fait. Alors on y va, ouais. Wouhou. Yeah. Ouais, bon. Allez, crève. Non, mais franchement, vous êtes que de la merde. Voilà. Je ne laisse pas ces personnes. Bon, il y aura peut-être un petit combat finalement. Oh, oh, là par contre, on va les tuer parce que. Aïe. Cette émission. Ouais, non, finalement, on va pas les faire. Parce que sinon, ça prendra trop de temps dans l'expo. Ok, c'est par là, alors on se termine. On termine le reste. Oh. Ouf. Ah ouais, carrément, il a couru sous le mur, mais à 100 mètres. C'était pas logique, là. Attendez, je vais regarder, j'ai quoi quand même. J'ai pas la dague encore. Non, il faut que j'en achète. Ok. Vas-y, viens. Voilà. Pas de nul. Connor, voici les gens qui partagent nos idées. Le propriétaire de ce bel établissement, William Molineux, et le vaillant cuisinier de sa nouvelle entreprise, Stéphane Chaffaut. Ah. Connor et moi venons de donner une leçon à des collecteurs d'impôts venus m'importuner chez moi. Ces collecteurs se font de plus en plus pressants. Il nous faut réagir, Samuel. Il faut que le peuple se rassemble. Il faut faire comprendre aux habitants de Boston qu'ils ne sont plus seuls. La colère gronde sur les quais en ce moment. Les citoyens empêchent le débarquement du thé britannique. Tous les regards convergent sur cette scène. Un Bostonien privé de son thé a tout d'une bête féroce. William Johnson supervise le trafic de ce thé. Un de ses hommes est venu me voir avec ça. Naturellement, j'ai refusé. Mais ce thé sort des bateaux, comme le timbre en témoigne. Vu qu'il en réclame une fortune, il doit se faire un joli bénéfice au passage. Où puis-je le trouver? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi cherches-tu cet homme, Connor? Il a l'intention d'acheter les terres où se trouve mon village, sans le consentement de mon peuple. Cette acquisition est sans doute financée par le profit de ses activités de contrebande. Cette taxe sur le thé fait l'affaire des contrebandiers. Je parie que les hommes qui perçoivent l'impôt vendent aussi le thé. Toute scène réclame un spectacle et je crois en connaître le texte. Connor, voilà. Retourne sur les quais et assure-toi que ce...
Tais-toi, on s'en fout. Pardonnez-moi. Oh, c'est pas vrai. Ok, bon, on va y aller. En réalité, là, ça nous fait un didacticiel des missions libération. En réalité, les missions libération, vous devez tous les faire. Enfin, ouais. Merde, c'est vrai que je m'avais fait repérer la dernière fois. On va arracher la fiche là, ce sera déjà ça. Voilà. Parce qu'en réalité, ouais, bon, ça va pas servir à grand chose. Les missions libération, en réalité, ça sert à débloquer des assassins pour ceux qui ne le savent pas. Vous pouvez en avoir jusqu'à 6. Chacun a sa fonction, garde du corps, meute. Il y a de tout, hein, vraiment de tout. Il y en a qui sont même pas mal du tout. Pour moi, mon but va être quand même d'être discret. On va pas s'éterniser sur tes soldats. Il n'y a pas une affiche. Oh, chier, il n'y a pas d'affiche. Ah si, là. Et voilà. On n'a plus qu'à m'enfuir et c'est bon. Ah non, bah non, je sais pas. Ok. En réto, là on se retrouve déjà pratiquement à la demi du jeu, sans vous mentir. Allez. Ya. Allez, tiens. Petit. Faut se faire celui-là maintenant. On va se faire celui-là. Attention. Ah, il y en a un autre aussi. Non. Ah non, on peut se servir de la dynamite là pour le faire. Waouh. Ouais, j'ai évité l'explosion de juste. Bon, le dernier. Le dernier. Je crois qu'une fois qu'on va le faire péter, on doit aller revoir Sam. Bon, par contre, il y aura de la visite, alors on va tous se les faire. Au moins, on est tranquille avec ça. Ouais, j'aurais pu monter. Ouais, on va se les faire à la main. Tiens, tiens, tiens. Ya. Oh, ya. Un. Vous êtes de la merde. Un. Bon, je vais arrêter la main. Voilà. Tonne grenade. Et on se barre d'ici. On n'a plus rien à faire. Salut. Ah, il faut quand même aller par là. Ouais, j'ai pas voulu monter, mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Faut mieux prendre des raccourcis par l'eau, hein, bien sûr. Je sais pas ce qu'il faut péter, parce que là, je crois qu'il faudrait plus rien péter. Je crois qu'en réalité, on doit parler à Sam, c'est tout. Ah non, il faut aider. Là. Tiens. Tiens.
Allez, prêt. Ah ouais. T'es comme ça, quoi. Allez, prêt. Petit. Ouais, en réalité, c'est bien ce que je dis, ça nous... Là, ça, en réalité, c'est un didacticiel des missions libération, ça veut dire défi lutteur, libération, aider des gens, faire exploser des trucs pour des gens. Bon, en réalité, ça nous fait un didacticiel des trucs qu'on peut faire pour débloquer des assassins. Comme je vous ai dit, le solo est pratiquement pour des didacticiels. Hein. On va péter l'affiche. Non, mais tire l'affiche. Voilà. Parce que mon but est discret quand même, parce que sinon, après, c'est la merde. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Faut le tuer? Ouais. Ça, je tire. Ah bon, il n'y a pas d'affiche. Au revoir. Dis bonjour à ma maman. Au revoir. Bonne journée. Salut tout le monde. Merci. Ah. Ah. Laissez-moi tranquille. Pourquoi vous me faites ça à moi? Oh, oh l'enfoiré. Viens ici toi avec ta sacoche, avec ton truc. Viens. Ouais, ok. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Aïe. Oui. Pourquoi je peux rien éviter là? Ok. Allez, tiens. Yeah. On fait moins leur malin là. Hein? Hein? Fais-moi ton malin, hein? Hein? Mais c'était qui le boss, hein? Voilà. Ce qui est chiant dans... Il y a un petit détail qui... Enfin, dans un côté, ça nous permet en même temps de jouer un peu plus pour les avoir. Mais avant, dans les anciennes missions, dans... quand on jouait un exemple à Brotherhood, Révélation et tout, on gagnait des sous par des coffres. Ça, c'était logique. Mais on gagnait des sous aussi par les missions qu'on faisait. C'est-à-dire, quand on faisait des missions scénario, on gagnait des sous. Là, on n'en gagne plus. Il faut obligatoirement fouiller ou trouver des coffres. En clair, ne comptez pas sur les missions pour vous faire gagner de la thune, quoi. Stéphane, qu'y a-t-il? Où est Sam Adams? Je m'en moque! On m'a volé! Oh, ils vont me le payer, ces sales scélérats! Faut suivre, il faut le suivre maintenant. Reprendre ce qui m'appartient! On va le suivre. En réalité, monsieur est énervé parce qu'il a volé. Parce que. Les Anglais ont volé ce qu'ils ont, oh, ce qu'il a. Regardez-moi ça. Ces maudites tuiles écrous, je me tends de la joue. Je vais sortir ton visage. Mais ça va devenir un prochain assassin à nous. Hein. Il dit déjà. Tout le monde là. Allez. Il est temps de prouver. Il est temps de se battre.
Ce qui est bien, c'est qu'on débloque le mode meute et Stéphane en même temps. Stéphane comme assassin arrête. Et meute pour. Arrêtez les gens, bah, vont vouloir tuer tout le monde, quoi. Ils viennent dans ma demeure, je peux prendre pas mes marche. Affaires. Non, mais je vais me venger. Celui qui a ordonné ça va payer. Et ses amis aussi. Voilà trop longtemps que je subis ces affronts. Ils vont goûter de mon courroux. On va tuer tous les Anglais qui s'opposent sur son chemin. Tiens. Vaut mieux non, parce que Stéphane, il n'y a pas énormément de vie. Regarde, sort. Joli. Ah, Stéphane bouge. Ils me volent ma maison, ils m'obligent à fuir mon pays, et maintenant ils veulent s'approprier ma nouvelle demeure. Ma nouvelle demeure. Il parle dans le vide, en plus il s'énerve avec ses bras, mais il n'y a rien. Ma nouvelle demeure. Là, elle est marre. Elle est marre. Merci à lui. Allez, crève. Cette injustice mérite d'être réparée. Mais pas comme ça. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Crève. Stéphane est pas content. Stéphane pas content. Méchant Stéphane. Méchant. Détruit. Espèce d'incapable. Vous croyez que je vais annoncer à Johnson que son thé a pris feu par enchantement? Crétin. Il y a forcément un responsable, et tu vas trouver qui c'est. Et si tu échoues, je t'étriperai, et je confierai la tâche à moins stupide que toi. Que comptes-tu faire? Ouvrir une porte. Ah, Stéphane. Ça nous fait un didacticiel. Comment utiliser Stéphane, en fait? Mais qui es-tu, bon sang? Ça fait mal, ça, quand même. Pourquoi vous n'avez pas le droit de spolier les gens? Avec ou sans l'aval du Parlement anglais? Le Parlement anglais? Je travaille pour William Johnson. Johnson? Achève-le sans souffrance. Pitié! Je suis désolé. Les gens semblent écouter tes paroles, mais que vont devenir tes biens? Si les gens m'ont écouté, c'est parce que je leur ai hurlé la vérité au visage. Cela vaut bien mille fois le contenu de mon coffre. Les Anglais, ils peuvent se les garder, mes biens. Tu as bien agi, Stéphane. J'avais promis de t'offrir une bière quand tu m'as aidé. Mais maintenant, je suis prêt à t'offrir ma loyauté. Ton aide est la bienvenue et je t'en remercie. Maintenant, allons retrouver Sam Adams. Séquence 6, le chef en colère. Bon ben malheureusement on va déjà se laisser pour la séquence, pour l'épisode 6. Parce que bon, pour aujourd'hui ça aurait été un court petit épisode hein, quand même. D'habitude c'est des 1 heure, là c'est un petit 40 minutes. Parce qu'on peut dire j'ai fait un épisode qui n'était pas censé être fait, en tout cas pour maintenant. Finalement, je vais devoir y aller.
On va déjà se laisser pour l'épisode 6. Alors l'épisode 7 et tout ne vont pas tarder, ne vous inquiétez pas. Maintenant que Hitman est terminé, mais que vous ne voyez pas encore les épisodes d'Hitman, c'est normal, ne vous inquiétez pas, vous allez vous dire, mais s'il est terminé, pourquoi il n'y a pas le reste? Vous inquiétez pas, vous ne buguez pas, les restes vont arriver. Qui sait, peut-être qu'ils auront été postés quand Assassin aura été là, on verra. En tout cas, ils vont arriver, ne vous inquiétez pas. Le reste des Let's Play d'Assassin aussi vont arriver. Maintenant, le mois de décembre, on peut dire, pas énorme, il n'y a pas grand-chose qui sort. Finalement, on va se rabattre maintenant sur les épisodes de Let's Play et sur son bio que je vais bientôt avoir. Voilà, en tout cas, j'espère que l'épisode 6 vous aura plu. J'espère en tout cas que le background vous plaira pour l'instant, que je pense peut-être changer un petit peu plus tard, on verra. N'hésitez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi de partager la vidéo un maximum pour ceux qui sont intéressés par Assassin et par les épisodes de Let's Play d'Assassin. N'hésitez pas aussi de mettre des j'aime aux vidéos que vous aimez, pardon. Et n'hésitez pas aussi d'envoyer des commentaires si vous avez des questions, que ce soit sur... sur Assassin, sur des autres jeux. Voilà, moi je suis toujours là pour y répondre, je réponds à tout le monde dans les commentaires, voilà. Petit téléphone dérangeant. Alors, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, prenez bien soin de vous, et on se retrouve à une prochaine vidéo, mes amis. Salut tout le monde!